Bonjour, bienvenue dans le jour 2. Le jour 2 qui va nous parler de la direction divine. Le pire dans cette vie, en tant que chrétien, c'est de ne pas savoir pourquoi on est créé, mais pire encore, de ne pas connaître la direction. Et c'est Dieu seul qui a la direction. Alors on va lire dans Psaume 32, verset 8. Le Seigneur dit: je te guiderai sur le chemin de ta vie. Je vous conseillerai et je veillerai sur vous. Nous sommes dans le psaume 32, verset 8. Dans Jérémie 33, verset 3, il va dire: appelle-moi et je te répondrai, et je te montrerai des choses grandes, puissantes, que tu ne connais pas. Seul Dieu peut nous donner la direction. Dans ce monde de surnaturel où nous sommes en train d'entrer, on a besoin de direction. Parce que c'est un monde sans limite. Parce que c'est un monde différent de ce qu'on a connu jusqu'ici. Et on a besoin que Dieu nous dirige. On a besoin que Dieu nous tienne la main. On a besoin que Dieu nous dise: voici comment ça marche. On a besoin que Dieu marche devant nous et qu'il nous éclaire. Un peu comme avec le peuple d'Israël dans le désert. Dieu était avec eux. Au point où Moïse lui a dit: si tu ne pars pas avec nous, nous n'allons pas partir. Nous avons besoin de la direction de Dieu. Nous avons besoin de la direction de Dieu pour accomplir les miracles. Nous avons besoin de la direction de Dieu dans notre vie quotidienne. Nous avons besoin de la direction de Dieu parce que c'est Dieu qui tient la notice. Parce que c'est Dieu qui sait ce pourquoi il a designé chacun d'entre nous. Parce que c'est Dieu qui sait comment est-ce que les choses vont se faire. Vous savez, il connaît la fin avant même qu'on ait commencé. Alors on a besoin de lui dans notre direction. On a besoin de lui pour qu'il nous tienne la main, qu'il nous prenne comme son fils, comme sa fille, et qu'il nous dise: ne t'inquiète pas parce que je suis là, voici le chemin. Fais plutôt comme ça, va plutôt à gauche au lieu d'aller à droite. Parce qu'à la fin du jour, ce qu'il veut pour nous, c'est tout ce qu'il y a de bien. Alors je veux que tu te lèves en ce deuxième jour et que tu dises à Dieu: ça ne sera pas sans toi, parce que c'est toi qui connais la direction. Je ne peux pas le faire sans toi, parce que c'est toi qui as la notice. Seigneur, je prie pour que tu bénisses chacun de tes enfants. Je prie pour que tu accordes la direction à chacun de tes enfants. Je prie pour que tu leur montres le chemin de la vie. Je prie surtout qu'ils aient confiance en toi pour se laisser guider dans ce chemin que tu leur donnes. Seigneur, je te bénis encore en cette journée. Je te dis merci pour cette deuxième journée de jeûne. Seigneur, prends l'honneur et la gloire encore. Au nom de Jésus-Christ, si quelqu'un est d'accord, qu'il dise Amen.